Et salut, bonjour, dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça n'arrête pas, troisième vidéo en 3 jours. Et il y en aura même une tout à l'heure à 21h45 à la mi-temps de la Gantoise Saint-Etienne. Ce sera le match vivant à la Gantoise Saint-Etienne. Mais tout de suite, c'est Rennes Celtic. Et donc c'est déjà le cinquième épisode de cette série puisqu'on a fait les deux matchs de barrage de Strasbourg face à Francfort. On a fait Lille mardi face à l'Ajax. On a fait le PSG face au Real hier. Je n'ai pas fait Lyon parce que le Zénith n'est pas dans FIFA tout simplement. Et là, hop. Et Niang la frappe. Et le but. Et le but. Et le but. Et l'ouverture du score. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score. Voilà. 6ème minute, on commence très bien, mais maintenant pour finir bien. Oula. Petit bug, on a vu avec Martin. Pas faire comme hier, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse voir. Le but encore, mais sous un autre angle. Mais hier, on avait ouvert le score et puis. C'est ce qui s'est passé. Hudson-Edouard. Rafinha. La passe est interceptée. Ou par-dessus. Allez, par-dessus. Niang, peut-être. Balle de doublé déjà. Ah non, là, ça. Le gardien s'en saisit, ça va être un corner. Ce sera un corner pour le Stade Rennais. Allez, Martin. Là. Pourquoi j'ai fait ça? Là, si je. Avec Niang. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Oh non. Ouais, je traîne devant, je. Puis bah voilà. Puis je me prends un contre. Christopher Ayer. Et je panique, je sais pas quoi faire, mes joueurs vont dans tous les sens sauf où il faut. McGregor. Très mal donné hein, ce ballon. Il faut que j'attende juste qu'il loupe une passe pour récupérer le ballon parce que j'arrive pas à le récupérer moi-même. Et là peut-être balle de 2-0 avec Niang encore une fois. Oh, non, ça sort. Au-dessus. Oh, il était tout seul face au gardien. Pas l'occasion. Mais là, j'entre très bien dans ce match. Après, c'est Celtic. Ça va, on va dire. Hudson-Edouard. Allez, il a de la place dans le couloir. Allez, faut que. Oh, c'était dangereux ce que j'ai fait. Oh, la mauvaise passe. Il l'a pas regardé où il la mettait. Allez, Amari Traoré, tu viens défendre un match. Mais comment je fais? Il n'y a pas en jeu. Eh ben non, il n'y avait pas en jeu. Heureusement qu'il y a Edouard Mendy. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Ouais, la frappe. Ballon capté par le gardien. Oui, je joue vite parce qu'il me faut toujours un deuxième but pour être à l'abri. Encore même 2-0, je suis pas à l'abri. Sur la trajectoire. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Et oui, encore une fois, je ne parle pas, je suis extrêmement concentré parce que à partir du moment où j'ai pas le ballon, je sais pas comment le récupérer. Et du coup, j'arrive pas à parler, vous voyez. Dès que le ballon s'approche, et après je garde le ballon, donc j'arrive à parler, mais je le perds, voilà. Christopher Julien, Christopher Ayer, on rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Christopher Julien. Bon, victoire 1-0 à la mi-temps, oui, je parlais toujours pas. De toute façon, les moments où je parle pas, où il n'y a pas d'action, de toute façon, c'est que tu es au montage, heureusement. Mais même des fois, quand il y a des actions. Quand il y a des actions, maintenant, j'essaye de parler, au moins quand il y a des occasions. Allez, on s'est bien reposé. On va pouvoir repartir dans 45 minutes. Allez, là, l'objectif, c'est de ne pas prendre de but sur engagement. James Forrest, Hudson-Edouard, ils construisent, ils font tourner. Ah, il a pas. En fait, même quand je récupère le ballon, c'est pour 2 secondes maximum. Je me fais bouffer littéralement. Mais c'est quoi? À quel moment ils font des passes comme ça? À quel moment j'arrive à me... Ils arrivent à me...
et moi, que moi j'arrive pas à parler. Peut-être ce qui manquait à son équipe. Allez, ma voix, là, je passe. Ah, je voulais pas la passer là, ça me quand ça fait pas ce que je veux. Ce centre qui ne qui a raté, qui passe largement au-dessus du but. Oh, allez, Bourigeau. Mais Bourigeau aussi, il se fait prendre de vitesse. Mais tous mes joueurs, ils se font prendre de vitesse. Comment voulez-vous que je fasse des percées sur l'aile? Attention, il a du champ devant lui. Je suis obligé de faire ça comme pourquoi? Allez, allez, corner. Ah, il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Oh, yeah. Non, on a compris l'intention. Non, yeah. Oui, c'est un adversaire. Il y a un moment, genre, je veux bien, je contrôle les trucs, mais il y a des trucs où tu peux rien faire. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Là, il me fait ça. Pourquoi chaque fois tous mes joueurs sont là pour le gardien. Bien anticipé. Le dernier qui va mettre ce ballon. Putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Merde, j'ai appuyé sur le bouton, merde, j'avais le ballon. Je reste par terre. Ah, quel con. Qui va d'un camp à l'autre. Allez, et là. Les supporters qui poussent pour voir le récupérer. Il est passé. Oh oui. Oui. Ça fait des matchs et des matchs à chaque fois où je me plante quand je suis dans cette situation. Je dois rater, je dois intercepter. Là, je me bien en l'air. Et là, ça rentre. Diapre à Sako. Deuxième. Pour ceux qui disent que c'est un but facile, Germain il l'aurait pas mis celle-là. Mitroglou. Faut que je retrouve une vidéo, il y a un but à peu près comme ça où Mitroglou il la met pas. Il la loupe. Essayez de vous retrouver ça dans mes archives. C'est un adversaire qui récupère cette passe. La frappe. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Allez, à finir. Pour Nyang. Bon jaillissement sur cette passe. 2 minutes de temps additionnel vient d'être annoncé. McGregor, Fred Sinclair. Avec un tir. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire. De la et c'est fini, victoire 2-0 du Stade Rennais. Voilà, enfin. Enfin. Ce sont les joueurs rennais qui enfin. On a gagné. Ah, j'ai gagné. Enfin. Tout ça, c'est grâce à vous. Cinquième match de la série. Première. Ah non, deuxième victoire. J'ai gagné le match retour avec Strasbourg. Bon, c'était éliminatoire. Donc. Voilà, je n'étais point joyeux. Bon, enfin. C'est une victoire. Yes. Bon. C'est la fin de cette vidéo. Victoire, je suis heureux. On se retrouve dans quelques... Ah, doit aller pendant 2 heures à peine, même dans moins de 2 heures, à 21h45 pour le match Lagantoise-Saint-Etienne sur FIFA à la mi-temps du vrai match. Voilà, ceux qui regardent le match. Donc. Et s'il y a 2 minutes d'arrêt de jeu, je vous autorise à venir regarder qu'à 47, vous n'êtes pas obligé de sauter sur la notif tant que vous regardez la vidéo. C'est bien, mais après, au moins quand vous la regardez au moment où elle sort, ça c'est fait exprès justement pour... La vidéo dure toujours moins d'un quart d'heure, c'est fait exprès pour que à la mi-temps, ça vous fasse voilà une petite pause pour regarder la vidéo tranquillement. Bref, donc... On se retrouve à 21h45 pour la Gantoise Saint-Etienne. Je tourne le match dans la foulée de celui-ci. Et moi, je vous dis salut à tous. Bye!